Et les confinouilles, on est toujours le mercredi 9 mars 2022. Il y a de la tension dans l'air. Il y a des personnes très très exposées, très énervées. Même si je vous dis garder la patatatate ou la pépèche, qu'est-ce que vous voulez en faire? Pas sûr que quelque part vous écoutiez parfois. Vous voulez plus écouter, vous voulez plus comprendre. Ça vous dérange, ça vous perturbe. Donc très compliqué. Très compliqué de gérer la pression, quoi. On se demande comment on va être assaisonné. Est-ce que vous voulez qu'on vous assaisonne? Est-ce que vous voulez qu'on vous mélange, qu'on vous écrase, qu'on vous mette de côté? C'est déjà fait. Enfin, il n'y a peut-être pas une petite lueur d'espoir. Enfin, l'espoir, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement tous ceux qui se bougent, tous ceux qui justement font des choses. On apprécie se retrouver face à des personnes justement qui font des choses, qui s'expriment, qui ont des choses à dire et qui font. T'as eu envie de t'exprimer, tu t'es exprimé. T'as eu des choses à dire, tu l'as fait. Et bien voilà, tu peux le faire régulièrement, même en passant en mode chat pour t'exprimer. Tu le fais et c'est très bien. Merci de nous récupérer jour après jour, ami public, pour nouvelles aventures et pour un nouveau toon qui a toujours gardé la pépèche et la patate, puisque justement, il le vaut bien. Et vous aussi. Donc merci à ceux qui nous retrouvent. Un petit passage de relais, un petit passage de personnes, c'est la ville, c'est urbain. Il y a toujours des gens qui respirent, plus ou moins. En tout cas, on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer dans la prochaine moitié du mois de mars, ni pour ce mois d'avril, mais ça risque d'être très perturbé. Parfois très perturbant, enfin, pas très ennuyant. Mais très intéressant. Donc intéressez-vous, vous allez voir, ça va pulser à toute berzingue. Donc on reste avec la pépèche, la patate, et à demain.